À 15 ans, vous êtes arrachée de votre adolescence Oui. et offerte en mariage au chef Bana. Bana, au Oui. chef Bana. Et ça commence à être un peu difficile pour vous pour le début, mais à un moment donné, vous avez la chance d'avoir de très bons rapports avec l'une des femmes du chef, votre coépouse, il faut dire, qui vous prend sous son aile, vous aide à tenir pour les débuts de votre union avec le chef. Non, non, ce n'est pas difficile. C'est que quand vous arrivez à la chefferie, Oui. on vous confie à une femme, une de vos coépouses Oui. plus âgée, qui est comme votre maman. C'est elle qui vous encadre, c'est elle qui vous explique comment ça va se passer avec votre mari. C'est elle qui vous donne un peu le code de la chefferie. Tout à fait. Donc, c'est votre maman. Oui. Ce n'est pas que j'ai rencontré. Non. Oui. Et c'est Quand vous celle-là qui... arrivez Oui. directement, vous allez chez elle. C'est elle qui va vous mouler, c'est elle qui va vous parler de la chefferie, des codes de la chefferie, les difficultés de la chefferie, les bienfaits de la chefferie. C'est elle, en fait, vous entrez en formation, en initiation chez elle, jusqu'au jour où on va vous transférer donc Au chez le chef. roi. Oui. Alors, Oui. et donc, vous passez du temps avec le roi. Et quand on lit votre livre, Françoise Péné, on se rend compte qu'à un moment donné, vous en devenez amoureuse. Non, je deviens amoureuse quand le roi me renvoie chez mes parents. Oui. Parce que quand je suis là, je me prends un peu la tête parce que le roi me faisant tellement confiance, Oui. Vous étiez sa préférée, j'étais hein? sa Oui. préférée. J'avais même à ma maison une cuisinière de marque Indésil. J'avais même une radio cassette. Le privilège que les autres épouses Et n'avaient en pas plus, du il tout. vous a doté Et en alors que ce plus, n'était il m'a pas dotée le alors chef ne dote pas. qu'il ne dote pas. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire, même à nos jours. On n'a jamais revu ça dans notre contrée. Un chef qui va doter une femme à 500 000 francs CFA. On n'a jamais vu ça. Et puis, quand il me répudia, c'est donc là où je tombe dans amoureux. Oui. Parce que quand il me répudie chez mes parents, Avec deux enfants. avec deux enfants, mais vous savez, la pauvreté rend amoureux. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais pauvre ou si c'était parce que j'étais rentrée chez mes parents et j'étais en manque. Je ne peux vraiment pas me situer. Mais j'étais vraiment tombée amoureuse du roi. Oui. Effectivement, la reine que vous étiez retombe un peu de son trône. Vous retournez Voilà, je dans votre retourne chez mes famille parents avec deux enfants et avec vous deux avez à peine enfants. 20 ans. Je peux même pas acheter, je ne suis même pas à même d'acheter le savon, le Sambolo qui coûte 25 francs. Donc, du coup, à la chefferie, le matin, il y avait le pain, il y avait le café, parce qu'on faisait la grosse casserole. Hein. Oui. On versait le café, il y avait les boulangers qui venaient livrer le pain en sac. Donc, tout ça m'a manqué. Je dis, tiens, comment je peux faire? Et donc, dans la paresse, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes restent dans cet esprit-là et n'avancent plus jamais. Oui. Mais j'ai dû quand même me soustraire donc de cette situation qui était très difficile pour Alors, et vous moi. avez à peine Et 20 ans j'avais à peine 20 ans. et Et deux enfants à charge. laver même les habits de mes enfants, j'étais obligée d'aller chercher les herbes qui moussent. Parce que quand on prend cette herbe, on tire comme ça sort de la glaire. Et avec ça, on trempe les habits et on lave. Donc, je suis descendue jusqu'à ce niveau-là. Oui. Et puis, j'ai vaincu la peur, j'ai repris ma vie en main. Alors, vous Et reprenez quand je reprends justement. la vie en main, c'est comme un drame dans le village. Parce que quand je passe, il y a des gens qui sont curieux. Ah bon, elle est encore là, elle peut même sortir. Ouais, il y a ceux qui la pitié, il y a ceux qui se disent, mais ça, sa famille croyait qu'elle est déjà la reine-mère. Et maintenant, alors, donc, ça allait dans tous les sens. Donc, finalement, petit à petit, vous savez, quand le temps est très important Oui. pour la vie. C'est-à-dire, quand vous avez des problèmes, laissez le temps régler les problèmes que vous avez. Donc, au fil du temps, ça s'est dissous.